Cher Thaï, cher grand frère, grand sœur, frère, sœur et tous nos amis, bienvenue à la retraite francophone. Merci à nos frères et sœurs de nous accueillir dans ces villages et de nous donner toute leur énergie pour qu'on puisse être ensemble, qu'on puisse communiquer et écouter ensemble le Dharma. La première chose qui vient à notre cœur quand nous ouvrons cette retraite, c'est Thaï. Cher Thaï, c'est merveilleux parce que vous avez pu revenir tout près de nos hameaux, dans votre maison, dans votre ermitage. Et nous savons que vous êtes entouré avec beaucoup d'amour et de tendresse par nos frères et sœurs, grands frères, grandes sœurs aussi. Et le printemps s'est habillé, s'est fait tout beau pour vous. Et vous êtes arrivés en même temps que nous, juste un tout petit peu, juste en même temps que nous. Et dans le ciel, la pleine lune mettait sa belle robe argentée. Elle était très belle ce matin. Donc toutes les conditions favorables étaient réunies pour que notre maître puisse nous rejoindre. Et tout à l'heure, quand je regardais chanter nos frères et sœurs et que j'avais à côté de moi Thaï Phat Dang, qui est le grand frère de notre communauté, j'avais l'impression que Thaï est là, il se manifeste. Et quand je suis assise ici et que je vois toutes les personnes que je ne voyais pas, c'est pareil. Je vois Thaï, il est là. Il est resplendissant, il est en bonne santé, il a un beau sourire. Et ça me donne beaucoup de joie. Je voulais vous souhaiter aussi de joyeuses Pâques. C'est une journée très très importante aujourd'hui pour nous, dont les origines sont chrétiennes. Pâques, c'est la résurrection. Un jour, notre Thaï nous a dit: Jésus a accepté de mourir en croix pour nous prouver que la mort n'existe pas. Il est revenu au milieu de ses disciples et les disciples n'ont pas reconnu parce qu'ils étaient tellement persuadés. Mais sur le chemin d'Emmaüs, ils ont réalisé qu'ils marchaient à côté de quelqu'un et quand cette personne s'est assise à la même table et a rompu le pain, alors oui, c'était lui. Ils l'ont reconnu. Et ça, c'est quelque chose, quand Thaï nous enseigne ni naissance ni mort, c'est quelque chose qu'il faut, dans nos racines, pour ceux qui sont chrétiens, toucher profondément et retourner à Pâques, retourner sur le chemin d'Emmaüs avec les disciples et Jésus. Et bientôt, notre grande sœur Chan Kong va donner un enseignement sur la non-naissance, non-mort. Donc, notre grande sœur va arroser cette belle graine et nous permettre d'approfondir, de mieux comprendre qu'est-ce que c'est non-naissance et non-mort. Il y a une chose aussi, lorsque je pense à notre Thaï, je pense à une plante qui pousse beaucoup autour dans le monde méditerranéen, mais je l'ai trouvée en Californie aussi, et notre Thaï en a parlé un jour, il a parlé de cette plante très grande qui vit 100 ans. Elle vit 100 ans et pendant 100 ans, elle ne fleurit pas. Un jour, elle donne naissance à quelque chose, je l'ai vu. J'étais petite fille, j'ai vu cette fleur se développer. Ça ressemble à une grosse asperge, une grosse, en proportion avec la plante, qui est très très importante. Elle va avoir un diamètre peut-être 2, 3 mètres et demi, 4 mètres, quelque chose comme ça, les grandes feuilles du bas. Et elle donne naissance à une grande ombrelle blanche, avec une très grande quantité de fleurs et de très très grande quantité de graines. Et notre Thaï, c'est comme cette grande plante. Depuis des années, Thaï a mûri et a donné naissance à de très très nombreuses descendances. Et on n'est pas obligé d'attendre 100 ans pour voir cette descendance merveilleuse, toutes ces fleurs qui fleurissent. Ici,
mais qui fleurissent partout sur la terre, à tous les endroits. Et Thaï n'a pas attendu son temps, c'est ça. Il a commencé tout de suite à essayer de donner de naissance à des fleurs, à des graines. Et nous avons tellement de reconnaissance pour notre maître et pour la très belle communauté à laquelle notre maître rêvait depuis qu'il est jeune, donner naissance à une communauté où il y a la compréhension, la compassion et l'harmonie. On arrive à vivre ensemble, en harmonie. Notre taille nous a nourris. Il nous a apporté, il continue, nous a apporté de très nombreuses pratiques. J'ai écrit un jour une lettre à notre maître en lui disant « Cher Thaï, vous êtes comme un papa oiseau, mais très grand bien sûr, et vous volez à travers le monde à la recherche des mets les plus succulents pour vos enfants, les choses les plus rares. Notre Thaï est un érudit et il est allé chercher les sutras dans des endroits où les sutras avaient été préservés de tout passage, de toute communication avec l'extérieur, comme dans les montagnes très élevées de l'Himalaya. Je ne sais pas si Thaï est allé personnellement, mais il a pu comparer ces textes avec les textes qui avaient été en Chine ou dans d'autres endroits où il y avait beaucoup de passages et beaucoup de mélanges. Et notre Thaï, en hiver, nous comparait les sutras et nous disait, voilà, ça, vous pouvez être sûr, ça, c'est l'original. Et j'avais écrit cette lettre à Thaï en disant, vous êtes comme un papa oiseau, vous allez chercher la nourriture très loin. Et vous ne vous la rapportez, mais avant, vous la digérez. C'est-à-dire, vous la rendez digeste pour que nous puissions rentrer en contact avec, nous puissions la comprendre, que nous ne soyons pas amenés à lire des dizaines et des centaines de sutras pour toucher progressivement quelque chose qui puisse s'appliquer dans notre vie quotidienne. Et voilà, donc pour moi c'était ça. Notre maître nous apporte une nourriture qui est déjà tellement finement digérée, tellement finement comprise, tellement et facile comme tout à comprendre. Donc, une des pratiques, la première pratique que Thaï nous enseigne, c'est la pleine conscience, développer notre pleine conscience et nous servir de notre respiration en la rendant consciente et en essayant de retourner régulièrement à nous-mêmes pour être en contact avec cette réalité qui nous entoure et cette réalité qui est à l'intérieur de notre corps lui-même. J'avais proposé de parler des quatre sortes de nourriture, puisque nous sommes en train de parler de la nourriture que notre Thaï nous a donnée. C'est certainement une des meilleures nourritures qui soit. Comment nous nourrissons-nous tous les jours? Ce matin, je me suis réveillée tôt. J'ai eu cette chance de pouvoir regarder par la fenêtre. Les sœurs m'ont donné un lit qui est tout près de la fenêtre. Et en m'asseyant, je pouvais voir la lumière de la lune réverbérée par les troncs des arbres et un ciel extrêmement pur et quelques vagues petites étoiles très pâles dans le ciel. J'ai contemplé ce que je pouvais voir en essayant de rester consciente de mon souffle. Et ça m'a porté du bonheur. J'étais assise à l'abri, tranquille. Il y avait la respiration d'une de mes sœurs que j'entendais. Et ça m'a porté beaucoup de paix, beaucoup de joie. Et je me suis dit, voilà une bonne nourriture. Je commence ma journée avec une bonne nourriture. À l'instant où j'avais ouvert les yeux, j'avais pris conscience qu'on était le jour où je devais partager quelque chose avec vous. Et là, mon cœur s'était serré
Et je me suis dit, il ne faut pas que je reste dans cette nourriture. Si je reste avec cette nourriture, ça ne va pas aller. Je vais être tendue, fatiguée, angoissée. Il faut que j'ouvre mon cœur à autre chose. Et tout le long de la matinée, j'ai vraiment essayé d'être en contact avec ce qui était le plus beau. Et de me nourrir comme ça. Et ça, c'est une pratique que Thaï nous enseigne. Hein. Et ça, c'était une nourriture vraiment succulente. Dans les quatre nourritures qui sont enseignées par le Bouddha nous parle de la nourriture comestible, celle que nous connaissons le mieux. De quoi nous nourrissons-nous chaque jour? Que mangeons-nous chaque jour? Au point de vue nourriture. Nos ancêtres ont fait des recherches très, 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 très grandes, très, très, très longtemps pour nous apporter une nourriture saine aussi. Nous avons été chasseurs, nous avons été cueilleurs dans le lointain passé. Et nous avons été agriculteurs. Et maintenant, nous sommes, pour la majorité d'entre nous, des personnes qui mangeons ce que les agriculteurs cultivent. Nous nous appuyons sur le monde extérieur pour nous nourrir, pour recevoir cette nourriture. Notre maître, un jour, nous a dit « Vous êtes ce que vous mangez. » Et ça a apporté beaucoup d'interrogations pour moi. Je suis ce que je mange. Vous êtes ce que vous mangez. Et en regardant profondément, nous pouvons voir que nous avons des habitudes alimentaires qui sont là pour nous guider. Ce sont les habitudes alimentaires qui nous tiennent en esclavage et qui font que nous ne choisissons pas vraiment ce que nous mangeons. Je m'inclus là-dedans aussi. Nous ne choisissons pas vraiment ce que nous mangeons. Nous mangeons ce que nous avons appris à manger. Nous avons gardé les habitudes alimentaires de nos ancêtres. À la maison de l'Inspire, nous vivons de donations et les amis laïcs, qui le savent, nous apportent à manger. Et des bons plats. Hein. Ils savent que nous sommes végétariens, ils nous apportent des plats végétariens de façon à pouvoir contenter nos besoins. Ils se nourrissent en même temps que nous, bien sûr. Et il n'est pas rare du tout que je demande « Qui a fait la cuisine aujourd'hui ?» J'ai préparé à manger. Avec les mains de qui? C'était les mains de qui ont préparé à manger? Est-ce que c'était les mains de maman? Est-ce que c'était les mains de papa, de grand-père, de grand-mère? Qui nous a appris à cuisiner? Qui nous a appris à préparer avec beaucoup d'habileté, de nettoyer les légumes, les éplucher, les couper, les offrir, les cuisiner d'une certaine manière? Certains plats, on les sale, certains autres, on les sucre. Il y en a d'autres, on met du vinaigre, les troisièmes, etc. Qui nous a appris tout ça? Ce sont nos ancêtres. Et c'est une chose importante que, quand nous préparons à manger, de nous rendre compte, ou bien quand nous choisissons quelque chose à manger sur une table, de nous rendre compte que tous nos ancêtres sont là, qui se servent en même temps, et qui nous indique le choix de ce qu'on doit manger. Il y a quelque chose d'autre qui entre en jeu, ce sont les cinq sens et le mental qui entrent en jeu dans la nourriture, dans le choix de notre nourriture. Quand je suis avec les enfants, nous avons des familles du cœur qui viennent à la maison, on joue. On joue pour apprendre la méditation
Alors, on fait quelque chose de tout simple pour apprendre à voir comment nous sommes guidés pour manger, pour choisir nos repas. Alors, on a deux yeux. Et dans ces yeux, il y a deux petites filles très mignonnes, imaginaires, hein? Deux petites filles très mignonnes qui s'appellent les deux petites vues. Et elles sont là et elles regardent toujours dehors. Très attentives. Très attentives. Dans les oreilles, il y a deux petits garçons. Ils s'appellent les deux petits Louis, forcément. Alors, le jeu de mots pour les amis vietnamiens ou d'une autre. Louis, on entend, hein? C'est le sens de Louis. Et Louis, c'est un prénom masculin, hein, pour que la traduction puisse se faire. Et puis dans l'autre nez, on a une petite fille qui a une jolie petite robe, toute gonflée, toute blanche, très mignonne. Elle s'appelle Odeur. Et quand le vent rentre, sa petite robe va en arrière. Et quand elle souffle, la petite robe va en avant. Et elle se régale des odeurs. Bon, il y a des odeurs qu'elle n'aime pas du tout, mais elle se régale des odeurs. Sur la langue, il y a un gros garçon bien joufflu qui s'appelle Gustave. Alors pareil, pour expliquer le goût pour les personnes qui traduisent, à moins que ce soit des personnes françaises, gustatif, hein, le goût dans la bouche. Gustave, c'est le prénom, un prénom de masculin. Donc voilà, c'est pour ça que ça fait rire nos amis francophones. Et puis, il y a encore quelqu'un, il nous manque quelqu'un. Hein. Il y a la petite peau, là, la peau. Elle couvre les gencives, elle couvre le palais et ils travaillent ensemble avec beaucoup d'intérêt. Beaucoup d'intérêt. Et ici, on dit c'est ici, mais bien sûr, c'est partout dans chacune des cellules. Ici, il y a la petite qui s'appelle Idée. Elle est très, très intelligente. Elle reçoit toutes les informations. C'est le grand chef. Le grand chef. Je vais vous faire voir quelque chose. Un petit enfant s'approche d'une table où il y a des gâteaux. Et l'enfant voit du chocolat. D'accord? Alors, les deux petites vues font chocolat. Elle envoie le message. Hein? Odeur est proche de se mettre en route, là. Elle commence à se mettre en route. Et le message est envoyé à Idée. D'accord? La petite Idée dit, envoyez le bras droit. Voilà comment on fonctionne. Alors j'apprends ça aux enfants. Hein? Je leur apprends à être en contact avec leurs cinq sens de cette manière-là, puis avec le mental. Idée, c'est le mental. L'appeler mental, ce n'était pas très rigolo. Idée, c'était plus rigolo. Donc j'ai choisi ça. Leur apprendre. Et quand on commence à mettre le morceau dans la bouche, alors tout de suite, nous avons Gustave qui est très intéressé. Gustave, il dit. Sucré, salé, amer, acide, etc. Hein? Il est là, il est très vivant. Et c'est lui qui va dire encore, encore, encore. Alors, écoutez bien, Thaï, il faut mâcher au moins 30 fois un tout petit morceau de chocolat parce qu'il arrive un moment où il y a saturation au niveau de Gustave, il est saturé. Même si on ne lui en donne pas en grande quantité, s'il arrive à avoir suffisamment longtemps ce qu'il rêve d'avoir, oups, pardon. Hein? À ce moment-là, ça va s'arrêter. Hein? Donc, notre désir, on peut aussi le contrôler, bien sûr, par la pleine conscience. Je vous ferai un dessin au tableau tout à l'heure. Par la pleine conscience et par la respiration consciente. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce morceau de chocolat? Je dis chocolat, ça peut être une cigarette, ça peut être, vous comprenez? Hein? J'ai choisi le côté enfant pour vous y maintenir, que ça ne vous sentiez pas trop culpabilisé. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, il y a deux petits garçons qui paraissent être en panne, là, ils ne bougent pas, mais si, ils sont très intéressés par tous les bruits qui se passent à l'intérieur. Alors, quand on croque du chocolat, bien sûr, ça fait croc, 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 et les petits Louis se régalent. Ils sont très joyeux. Et la petite Paule, elle est sensible au froid, au chaud,
et a toutes les consistances, grumeleux, liquide, pâteux, etc. Et ces cinq sens, plus le mental, vont faire de nous des esclaves. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Moi aussi, j'aime beaucoup le sucré, je sais. Il y a des moments que je vois bien que je suis esclave. Un jour, notre maître a raconté une histoire, et je vais la faire courte pour ne pas plagier, mais pour vous la ramener. Vous entrez, prenez cet exemple, vous entrez dans un magasin et vous avez l'intention d'acheter une cravate. C'est pas mon cas. D'acheter une cravate et vous visitez tout le magasin et puis vous aviez vu une cravate et puis vous revenez vers cette cravate, vous prenez, vous dites j'ai choisi cette cravate. Et Taï a dit non, vous avez été choisi par la cravate. C'est la même chose pour la nourriture. Donc on peut regarder comment nous nourrissons notre corps et comment nous nourrissons notre esprit avec ce que nous mangeons, au point de vue comestible. Nous avons cinq sens et un mental, comme je l'ai expliqué, et nous avons des nourritures qui pénètrent en nous tout le temps. 24 heures sur 24, mais nous ne nous en rendons pas compte. Ce sont des nourritures sensorielles. Bien que la nuit, dans le sommeil profond, les cinq sens soient mis entre parenthèses, mais l'alaya, la conscience du tréfonds, qui a enregistré toutes les informations pendant toute la journée, plus tous les jours avant, plus toutes les années avant, plus celles des ancêtres, etc., nous les restitue. Donc nous sommes en contact avec nos cinq sens, que ce soit de façon, c'est très très fréquemment de façon inconsciente, mais nous sommes en contact sans cesse avec. Et cette nourriture sensorielle est une nourriture qui peut être merveilleuse, comme ce matin, assise dans le matin très tôt, bien avant que le soleil ne se lève, et contemplant cette lune, les reflets de la lune sur les arbres, et avec ce calme, cette respiration paisible, le bonheur d'être là, juste dans ce corps qui allait bien. Et ça, c'était sensoriel et c'était positif. Mais ce que nous écoutons, ce que nous voyons, ce que nous lisons, ce que nous buvons, par exemple, ou fumons, par exemple, l'alcool ou des choses comme ça, stimule les cinq sens. Nous sommes dans une société qui est merveilleuse. On a développé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses merveilleuses. Mais nous ne savons pas nous en servir correctement. Et nous avons laissé pousser, nous ne soyons pas coupables, il faut juste corriger. C'est comme quand on conduit une voiture, on voit qu'on va un petit peu trop à droite ou un peu trop à gauche, on rectifie la direction. C'est ce que nous sommes en train de faire tous là. Si vous êtes venu chez Thaï, c'est parce que vous voulez changer un peu cette direction. Donc, voir quel est l'impact de ces cinq sens stimulés par les images. On voit beaucoup de violence se développer et beaucoup, beaucoup, beaucoup de films de violence, des jeux électroniques extrêmement violents. Nous sommes stimulés par des images de femmes idylliques qui deviennent tellement minces maintenant qu'elles vont devenir complètement transparentes. Et ce ne sont pas des vraies images, j'ai appris en plus. De très belles affiches avec de très belles dames, des messieurs magnifiques. C'est pareil. C'est tout gommé sur l'ordinateur. On efface tout ce qui gêne et puis voilà. Donc on vit dans un monde complètement illusoire. Mais on se fait piéger en croyant que c'est une réalité. Et nos enfants grandissent dans un monde complètement illusoire de jeux, passionnants, mais qui ont tendance un petit peu à les séparer de la réalité qui les entoure.
Et on a tendance à se séparer un petit peu les uns des autres en ce moment, à moins facilement communiquer. Donc faire attention à ce que nos sens consomment à chaque instant, chaque jour. Nous avons la troisième nourriture, c'est la nourriture, la conscience comme nourriture. La conscience comme nourriture, ça vous dit quelque chose? Je vais prendre un exemple concret de ce matin. Je crois que c'est comme ça que, pour moi, c'est ma façon de vous communiquer. Thaï m'avait dit à travers vos expériences, sœur Yakni, parlez de vos expériences pour qu'on comprenne. Je savais donc ce matin que j'allais avoir à m'asseoir devant vous. Je suis quelqu'un d'infiniment timide, même si ça ne se voit pas trop. Et tout un doute, le doute s'est levé ce matin. Mais alors, le gros doute. Hein. Mais alors, le gros, vous savez, vous le connaissez. Tout le monde l'a en soi. Ouais. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ce gros doute, quoi? Alors, il y a toujours la possibilité. Je prends là, je vous explique les chemins ordinaires, de discuter avec soi, oh, mais non, tu fais pas trop mal, la dernière fois, c'est pas si mal que ça, enfin bon, vous connaissez. Mais ça marche pas, vous savez, ça marche pas du tout. Je vois qu'on est tous apprentis des mêmes habitudes. Donc je suis revenue à mon souffle, à ma respiration consciente. Je me suis rappelé, bien sûr, toutes les origines que j'avais déjà regardées dedans depuis longtemps. Et je me suis dit, tu as deux possibilités. Ou tu laisses cette plante grandir et tu l'arroses bien. Et tout à l'heure, quand tu vas arriver, tu vas être de la couleur des épinards. Et tu n'auras plus de souffle du tout. Tu ne pourras plus parler, t'exprimer. Ou bien tu essayes de te centré seulement sur ce qui est ici et maintenant, puisque ça n'existe pas encore, de toute façon, on n'en sait rien si ça sera, si tu arriveras à ouvrir la bouche ou pas, on n'en sait rien du tout. Mais pour le moment, tu es dans un monde qui est beau. Tu es entouré de personnes qui sont gentilles. Ici, personne ne cherche à vouloir vous faire du mal. Donc même si tu dis des choses qui ne sont pas merveilleuses, il y aura toujours la compassion, il y a la compréhension, il y a l'amour dans notre village, dans nos villages. Donc, te fais pas trop de soucis. Ça, c'était la petite caresse, vous savez, pour se donner du courage. Et j'ai changé de cap. J'aime beaucoup les images, comme vous avez pu remarquer. Alors, je vous prête l'image que Thaï nous a offerte. Nous sommes un bateau. Il y a un capitaine dans ce bateau. Il y a une barre, et c'est suivant quel est le capitaine qui est à la barre, le bateau va bien ou pas très bien. Et puis il y a 51 formations mentales qu'on peut imaginer comme des petits matelots qui sont à l'intérieur de ce bateau. Et à qui va-t-on laisser la barre? Ben aujourd'hui, je n'ai pas laissé la barre au doute. Hein. J'ai dit, cher doute, je suis désolée, mais ce n'est pas toi qui vas tenir le bateau aujourd'hui, grâce aux enseignements de Thaï et de. Le soutien de nos grands frères, grandes sœurs et frères et sœurs et amis, j'ai changé de matelot. J'ai dit au matelot, tu devrais aller te reposer un peu à la cale. Je te connais bien parce que je t'ai rencontré souvent. J'ai déjà travaillé sur toi pour essayer de transformer un petit peu ce doute. Et maintenant, je vais mettre à la barre seulement la pleine conscience de ce qui est beau. De quoi je suis en train de vous parler en même temps? Mais peut-être que je vous en parlerai plus tard. Je suis en train de vous parler, ça s'appelle, c'est une pratique. C'est une pratique. Ce que je suis en train de vous décrire, c'est une pratique concrète. Quand une pensée négative, nous savons que nous avons des graines négatives qui sont là, on fait tout ce qu'on peut pour ne pas les arroser. C'est la première diligence. La deuxième diligence, et c'était le cas, quand Monsieur Doute se manifeste, c'est-à-dire quand la pensée, la formation mentale de souffrance monte dans notre mental, on en prend soin tout de suite.
On retourne à notre respiration consciente. On retourne à notre pleine conscience. Et on embrasse le doute. On embrasse, enfin, le doute, vous n'avez pas forcément tous du doute comme ça, mais la colère, le désespoir, l'anxiété, le stress, on les embrasse. C'est-à-dire, on reste sur notre souffle, avec, sans rejeter et sans conserver, ni prendre, ni repousser. Juste être avec, l'entourer, l'embrasser. Rien ne demeure. Tout est impermanent. Donc ça monte, oui, c'est là. Ça dure, oui, c'est vrai. Mais pas longtemps si on n'alimente pas. Rien ne demeure sans nourriture, donc ça va bien finir par descendre. Et on laisse descendre avec le souffle. Quand on accompagne une émotion comme ça, de cette manière-là, tout doucement, chaque fois qu'elle redescend, si elle a été accompagnée par la pleine conscience, quand elle redescend, il va se passer une chose, elle va être un tout petit peu plus petite. Ça veut dire qu'il faut faire ça encore, 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 et encore sans se décourager. Hein? Et puis, là, ce que j'ai... Donc, ça, c'était les deux cas. Il y avait le doute qui était monté, je ne l'ai pas gardé longtemps. J'étais un tout petit peu piégée au début par le raisonnement, c'est-à-dire, oh, mais il faut bien, tu sais bien que tu arrivais de temps en temps à faire des trucs pas trop mal. J'ai vu que ça, c'était cultiver le doute, hein, que j'étais en train de lui donner à manger à travers ma façon d'être, et qu'il ne fallait pas faire ça. Donc, le retour à soi, la respiration consciente, j'étais assise, donc c'était, et j'y avais personne, c'était aisé. Et ensuite, j'ai dit, tu restes en bas, je ne t'arrose plus. Donc, j'ai touché les deux premières diligences, les deux diligences, juste, utilisées correctement. Et à la place, j'ai réveillé des graines qui dormaient en moi, des graines de beauté, des graines de confiance dans la vie, des graines... Après l'hiver, ces arbres qui paraissaient complètement morts, qui donnaient l'impression que plus rien n'était là sur cette planète, quelqu'un qui ne connaîtrait pas ce côté de la planète, qui vivrait en Équateur, dans un lieu complètement luxurieux et luxuriant, et qui ignorerait qu'il y a des saisons chez nous, arriverait et dirait, mais téléphonerait à la famille en disant, s'il y a un téléphone, c'est tout mort, tu sais. Tous les arbres, je les ai vus, hein. Il n'y a plus rien. Si, il y a quelques arbres verts avec des épines en plus, les sapins, hein. Les trucs comme ça, c'est tout. Hein. Il ne reste plus rien sur cette planète de ce côté-ci. Hein. Même l'herbe est toute, voilà, il n'y a pas de fleurs, et toute l'herbe est grise ou marron, c'est vraiment lamentable. Je veux rentrer au pays. Mais... Comme nous avons l'habitude, nous savons ça. Hein, nous connaissons les saisons, nous connaissons le rythme des saisons. Alors nous avons toujours confiance. Parce que quoi qu'il arrive, le soleil se lève. Et quoi qu'il arrive, le printemps revient. Et toutes les autres saisons reviennent. C'est l'impermanence. Si nous pouvons apprendre à vivre avec cette impermanence, à la développer, à la regarder dans des toutes petites choses ordinaires de notre vie, on va pouvoir vivre de façon très belle. Ça, c'est la conscience comme nourriture. Vous n'avez pas oublié. Donc, on continue à offrir au mental, qui est le jardinier, celui qui est capable de transformer notre esprit. On donne au jardinier de la bonne nourriture. On lui rappelle, cher jardinier, tu te souviens qu'on a des très beaux souvenirs, ou bien être en contact avec des choses très belles. Et aujourd'hui, je suis allée dans cet esprit-là de me nourrir de façon saine et belle pour aider cette angoisse et ce doute à diminuer et à s'effacer tout doucement.
suis allée voir et j'ai vu en 2 jours les fleurs du poirier, qui étaient, c'était des boutons de fleurs, mais pas même le bouton, c'est-à-dire avant que les fleurs ne se manifestent, hein, se sont ouverts et les grappes, les petites grappes de fleurs de pommiers, sont là, hein, presque là, presque en fleurs. Et je me suis nourrie de cette manière-là. J'ai nourri ma conscience de ça. Il serait bon, il y a des choses dans notre conscience qu'on a laissé dormir, des graines qu'on a laissé dormir, qui sont des graines de confiance, bien sûr, mais aussi des graines de gratitude. Quand il n'y a pas de gratitude dans notre cœur, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur. La gratitude, c'est quelque chose qui nous rend vraiment heureux. Donc, nourrir notre conscience avec la gratitude. Je sais que vous avez beaucoup de gratitude pour Thaï. Ça, je sais. Hein? Et pour les enseignements que notre maître vous donne, je le sais. Et la quatrième nourriture, c'est la volition. La volition, c'est une nourriture quotidienne. Quel est le sens de notre vie? Quelle est la chose la plus importante dans notre vie? Qu'est-ce qui nous pousse à nous lever le matin et à nous déployer? C'est la volition. Il y a la volition derrière, elle est là. Il m'est arrivé de demander à mes frères et sœurs monastiques, est-ce que tu te souviens dans ton enfance, quand est-ce que ça s'est mis en route ce désir d'être au service de tous les êtres? Va chercher dans ton enfance, va chercher dans ce moment où il y a eu quelque chose qui s'est réveillé et qui s'est réveillé très très fort, hein, et qui a donné naissance à ce que tu es aujourd'hui. Pourquoi nous sommes là? Quelle est la volition qui nous pousse à être ici? Comment la nourrissons-nous? Alors, il y a des bonnes volitions, très belles. Il y a des volitions qui ne sont pas bonnes du tout. L'esprit de vengeance, ce qui nous pousse à vouloir nous déployer dans l'égoïsme et des choses comme ça. Il y a une volition dessous, hein, à regarder en profondeur. Quelle est ma vraie volition? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me pousse dans ma vie? Qu'est-ce qui donne sens à cette vie-là? Et comment je la nourris, cette volition? Je me souviens que... Bon, je vais peut-être demander un petit son de cloche, s'il te plaît, ça. Merci. Je me souviens que pour les 5 entraînements à la pleine conscience, on nous demande d'exprimer pour quelles raisons souhaitons-nous prendre ces entraînements à la pleine conscience. Qu'est-ce qui est en nous qui nous pousse à vouloir les prendre? C'est une volition. Et c'est une volition très belle, très noble, très saine. Et je me souviens avoir écrit seulement 3 mots. Comprendre, aimer, servir. C'était tout. Je ne voyais rien d'autre à dire. Je me suis dit, c'est un peu bref. Mais c'était ça. Hein? Comprendre, aimer, servir. Donc, avec cette volition, je suis là devant vous avec maintenant mon petit foulard. Hein? Voilà. C'est une chose importante de regarder quelle est notre volition. Et notre volition, nous sommes la continuation de tous nos ancêtres. Et cette volition, elle est profondément inscrite dans nos gènes. Nous n'avons rien qui soit individuel. Si on regarde bien, il n'y a rien d'individuel. Même nos talents. Quelquefois, je demande à une personne, « Oh, tu chantes très bien. Qui chantait très bien chez toi ?»
Alors quelquefois on trouve papa, maman, le grand-père, la grand-mère, tout ça, mais quelquefois la personne a l'impression que non, personne ne chante. Personne ne chante. Mais chantaient-ils avant quand ils étaient jeunes et pleins d'élan, pleins de dynamisme et sans avoir eu à rencontrer des choses un peu difficiles? Et puis le Bouddha enseigne que nous sommes les descendants, que nous recevons tout ce que nous avons vient de nos ancêtres. Toutes nos qualités, même si on n'a pas rencontré le grand-père ou la grand-mère qui chantait, il y avait déjà ces graines qui étaient là et qui étaient prêtes à éclore. Je vais faire une toute petite pause pour boire. La petite sœur m'a prêté son propre verre. Merci beaucoup, sœur. Vous avez vu, il y a des verres sur lesquels il y a quelque chose qui est écrit et elle a fait mettre son nom ici. C'est beaucoup de bonheur. Pendant longtemps, j'ai regardé le nuage dans mon verre. Et je le rencontrais. Et maintenant, c'est la rosée. Je suis allée chercher une autre eau, la même eau sous une autre forme, pour la boire, pour la rencontrer. La rosée du matin, vous savez, celle qui couvre les champs. Combien d'herbes il faudrait pour remplir un verre comme ça, jusque-là? Quelques touffes d'herbes, peut-être. Il faudra qu'on essaye un jour de boire un thé fait avec de la rosée. Forcément, il est fait avec de la rosée parce que la rosée s'est évaporée. Et vous savez quoi? C'est de la rosée chaude. Très délicieuse. Je suis désolée, je bois toute seule. À votre santé. Là, je prends mon courage à deux mains pour passer au tableau. Tout le monde respire avec moi. Je vais passer au tableau. Je regarde avant. Oui, c'est ça. Je prends mon courage à deux mains parce que Taï Fabdo a mis dans ma poche des choses fragiles pour enregistrer. J'ai toujours peur de faire des bêtises avec. Si. Maintenant, on va aller s'amuser. Est-ce que tout le monde voit le tableau d'où vous êtes? Ça va? Ça va aller? Je le tourne un petit peu. C'est bon? Bravo les sœurs d'avoir mis le tableau à la bonne place, ou les frères. Voilà. Est-ce qu'on le voit? On le voit à peu près, ça va? Ou c'est... Je suis l'enfant de taille. En devenir, sachant faire des cercles, parfait. Vous connaissez déjà bien ces dessins, n'est-ce pas, pour la majorité d'entre vous? On va simplement s'amuser avec ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. C'est juste de mettre en image. Pour moi, je le vis beaucoup
je suis très visuelle, donc je le souligne peut-être plus pour toi, Taïf Abdo. Ce sont les cinq portes des cinq sens vers l'extérieur. Ici, dans cet espace, dans cet espace-là, nous avons le mental. Ici, nous avons Manas. Ici, nous avons la conscience du tréfonds qu'on appelle aussi l'alaya. Donc, les cinq premières consciences sont les cinq sens. La sixième, la sixième conscience, ben voilà, ça y est, sixième conscience, la septième conscience, voilà, super, mais je compte, tu vois, il va déjà un petit peu, je te remercie, oui, mais garde-le par là, je te remercie, tu es gentil. Septième conscience et la huitième conscience, le tréfonds. Dans le fond, dans le tréfonds, nous avons des graines. Nous appelons les formations mentales aussi, et d'autres, on va en mettre des rouges. Etc. On les appelle graines. Des graines. J'écris pas très gros. Ou bija. B-I. Plus gros, c'est Yakni. B-I-J-A. Bija. Et maintenant, on va les nommer par exemple première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Je regarde l'heure. Une fleur par elle-même, la fleur qui est posée sur cet autel, la tulipe ou bien vous qui êtes plus loin, les orchidées, par elle-même, elle est neutre, elle est complètement neutre, elle est
tissée par l'univers. Dedans, il y a du soleil, il y a des étoiles, il y a la lune, il y a de l'eau, des nuages, des sources vagabondes, il y a de l'air, il y a de la terre. Il y a beaucoup d'espace. Si on rentre à l'intérieur et qu'on devient un petit atome et qu'on visite, je ne vous dis pas, c'est extraordinaire. Ça devient des constellations lointaines. Il y a beaucoup d'espace, dedans et dehors. Par elle-même, une tulipe, elle est complètement neutre. Je gêne pour le tableau ? Non, ça va. Une tulipe, par elle-même, elle est complètement neutre. Une orchidée, par elle-même, elle est complètement neutre. Mais est-ce que nous la voyons de façon neutre ? Est-ce qu'elle reste neutre pour nous ? Est-ce que la fleur en elle-même, qui est cette fleur-là, devient quelque chose d'autre ? Alors, mon petit-fils qui a 8 ans, à qui j'étais en train de faire ce genre de tableau, à qui j'expliquais la psychologie bouddhique, mais oui, Taï a fait exprès pour qu'on apprenne ça au berceau. Il me dit, mais maminone, c'est pas neutre ? Ou c'est toujours neutre ? Je lui dis, alors voilà, tu reçois des fleurs, on avait des roses, on avait pris l'exemple des roses. Tu aimes les roses ? Oh oui, j'aime ça. Bien, mon chéri. Alors maintenant, tu as un très cher ami auquel tu tiens beaucoup, il avait 8 ans à ce moment-là. Tu as un ami que tu aimes beaucoup et qui part. Et avant de partir, il dit, oh François-Régis, je sais que tu aimes les roses, je t'offre des roses. Et après, quand tu vas regarder les roses, comment tu vas les voir ? Est-ce que ce sont des roses ? Ou est-ce que ce sont les roses du départ de mon ami ? Vous comprenez ? C'est clair ? L'objet par lui-même, il est vierge. Il est neutre. Un son, c'est un son, il est neutre. C'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do ou quelque chose comme ça. C'est neutre. Mais quand ça va pénétrer en nous, c'est encore neutre. On va prendre la fleur de mon petit-fils, si vous voulez bien. Valérian. Bon, ici, c'est l'œil. On va prendre l'œil comme exemple. Hein. On fait pareil, vous pourrez faire pareil, vous amuser avec les cinq sens. Hein. Il y a l'œil, il y a la fleur. Je vais faire une fleur ordinaire. Une prime verte, puisqu'en ce moment, c'est bien la saison. Voilà, il y a la fleur, et il y a la conscience. Il y a le contact et il y a la conscience de la fleur. Conscience, et on dira conscience numéro un, puisque... Conscience. Conscience, d'accord ? Ma sœur, peut-être c'est plus grand, c'est pas ça, mais plus grand là-bas. Merci, Taïf Abdo. Et oui... Je ne sais pas écrire au tableau, c'est pour ça que je... Oh. Merci Taïf Abdo. Ça va quand même. Je ferai mieux la prochaine fois. Hein. Voilà. Donc, il y a une fleur, il y a l'œil. L'œil, c'est seulement un organe. Il n'a pas la capacité de voir et de reconnaître. Il enregistre, c'est une stimulation neurologique. Du fond, la rétine est touchée et elle va émettre un signal le long d'un nerf. Et là, la fleur, elle est complètement neutre. Elle n'est même pas reconnue comme fleur. Elle va arriver, grâce au nerf optique et à ses relais, elle va arriver dans la partie occipitale, à l'arrière de la tête. Là, elle va être reconstituée.
C'est-à-dire les signaux vont redonner naissance à quelque chose qui ressemble à une fleur. Mais elle n'est toujours pas reconnue. Elle va passer à travers ce signal. Oh, il y a quelque chose. Je parle trop en haut. Ça va pour le son? Le signal va passer à travers le cerveau reptilien, une partie qui va nous indiquer si c'est bon ou pas bon, dangereux, pas dangereux, si on peut continuer, si on ne peut pas continuer. Et ensuite, parvenir jusqu'au lobe frontal, au cortex frontal. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va s'amuser ensuite à découvrir ce que c'est que tout ça à l'intérieur de ça. Et là, à ce moment-là, après le passage dans le thalamus, la partie cerveau reptilien, après ce passage-là, elle est déjà teintée. C'est dangereux, neutre ou très intéressant. Ou intéressant, hein, plus ou moins. Elle a déjà cessé d'être neutre. Et quand elle touche le lobe frontal, quand elle est devant, alors là, elle est teintée des émotions. Hein, des émotions dont on a parlé tout à l'heure. Et ça n'est déjà plus du tout la tulipe. Hein. C'est déjà tout à fait quelque chose d'autre. Comment ça fonctionne? Vous avez compris sur le plan neurologique à peu près, c'est très rapide, hein, survolé. L'image pénètre et elle descend et elle va traverser. C'est conventionnel, hein, ce sont des désignations conventionnelles. On a essayé de dessiner ça comme ça pour le rendre accessible. L'image descend, jusque-là elle est à peu près vierge, hein, et elle se teinte au passage, elle descend, et elle va toucher une graine de bonheur, par exemple. Ah, c'est beau, comme elle est belle. C'est une tulipe, elle est belle, elle est déjà teintée. Cette graine va envoyer, c'est une graine de mémoire, elle va envoyer dans le mental du bonheur. Et une image d'elle, bien sûr, avec ses pétales, voilà. Et beaucoup de bonheur. Et ça provoque une émotion agréable. Ça, c'est le premier stade. C'est quand l'ami de mon petit-fils n'est pas encore parti. D'accord? Si nous sommes un pratiquant ou une pratiquante, on va réveiller la graine de pleine conscience qui est en nous. La graine de pleine conscience qui est en nous, on va retourner à notre respiration et on va lui envoyer notre joie pour la décupler, la rendre plus belle encore, l'embrasser. Et pouvoir en profiter, essayer de garder ça le plus longtemps possible en nous, dans la contemplation, pour que ça arrose les graines de beauté, de bonté, de joie, d'amour qu'on a en nous, les graines positives. Hein? Mais supposez que l'ami de François Régis, de Valérian, soit parti. Alors, quand cette image-là va monter dans son mental, ça ne sera pas la joie qui va être associée, il l'a reconnue tout de suite, ça sera la tristesse ou la souffrance. Il va y avoir une graine de, disons, de souffrance ou de désespoir parce que son ami l'a quitté, qui va monter, comme ça. Et on va imaginer que ça lui donne un rayonnement douloureux. D'accord? C'est clair? Un petit peu trop couché. Et nous pratiquons de la même manière. Nous réveillons notre pleine conscience. Nous réveillons notre pleine conscience. Nous l'adressons à cette zone de souffrance qui va l'embrasser. Je me mets un peu sur le côté. Vous le voyez?
qui va l'embrasser, qui va en prendre soin. Alors la rose ne va pas disparaître, mais la souffrance attachée à cette mémoire va tout doucement diminuer. Juste rester avec cette fleur et dire oui, j'ai du chagrin. Notre taille nous a dit aussi qu'on pouvait se prendre dans les bras, vous savez, pour se consoler. Se prendre dans les bras et respirer doucement, en pleine conscience, pour apaiser cette tristesse, par exemple, de séparation. Et garder ça jusqu'à ce que cette image, tout est impermanent, c'est super, hein. Ça c'est magnifique. Donc, jusqu'à ce que cette image quitte notre mental, voilà, que la souffrance diminue et redescende dans l'alaya, dans la conscience du tréfonds, un petit peu plus petite. On garde la pleine conscience. Donc, ça vous donne une idée de la façon dont fonctionne notre esprit. Notre esprit est habitué à pratiquer comme ça, mais on n'en est absolument pas conscient. Alors, il fait ce qu'il veut. Il s'amuse bien ou quelquefois, il nous coule complètement. Et une phrase qui m'a beaucoup touchée, que je conserve, une phrase du Bouddha que Thaï nous répète souvent, « Rien ne demeure sans nourriture. » Rien ne demeure sans nourriture. Et il m'arrive quelquefois le matin vers 8 heures de sentir le vague à l'âme, la tristesse. Et je me dis, je te connais bien, tu es une de mes vieilles amies, je sais à quoi tu es liée. Il n'est pas question que je vais simplement te bercer, t'embrasser, mais je ne te laisserai pas prendre la place. Pas question de rester ici et de prendre toute la place. On va avoir une journée très belle. Donc, pas question de développer cette tristesse. Je sais que si je la développe, je vais développer une dépression nerveuse. Sûre. Si je sais bien la cultiver, sûre. Mais on ne le fait pas exprès. Hein. Surtout, ne prenez pas, enfin, s'il y a quelqu'un qui se sent en dépression, ne prenez pas ça mal. Nous sommes tous comme ça, mais nous ne savons pas quoi faire avec nos émotions, nous ne savons pas quoi faire avec notre volition, nous mangeons de temps en temps des choses, ben voilà, on ne sait pas encore. Et on est là pour apprendre, découvrir ensemble. Il y a quelque chose que je voulais vous dire, il me reste 5 minutes, je ne me souviens plus. Oui. Il y a aussi, il y a des graines qu'on dirait positives, je voulais préciser, des graines qu'on dit positives qui sont des graines de joie, de bonheur, d'amour, de sagesse, de compréhension. Et puis il y a des graines négatives, nommées comme ça, parce qu'elles nous entraînent dans des états mentaux très douloureux. Et entre les deux, il y a quelques graines qui ne demandent qu'à changer. Tout change tout le temps, de toute façon. Mais il y a des graines neutres. Alors, je ne sais pas, je vais les faire comme si elles étaient des petits points. Elles se décident, elles peuvent tourner bien ou tourner mal. Suivant les circonstances et surtout suivant la façon dont nous allons, nous, utiliser notre mental. Et qui va pouvoir transformer le tableau intérieur de notre corps? C'est le mental. On l'appelle encore le jardinier. On l'appelle encore le jardinier. La sixième conscience.
La septième conscience, c'est qu'on la considère comme l'amoureux. Pas mal. Mais ce n'est pas un amoureux très sympa. Il est très attaché à ses idées, très attaché à son territoire, très attaché à ce qu'il pense être ses amours, etc. Et il nous mène la vie dure. C'est lui qui m'avait envoyé le doute ce matin. Hein. Tu ne crois pas qu'une enfant dyslexique va passer au tableau pour faire un cours à des grands maîtres? Il faut regarder ça deux fois. C'est Manas. C'est ce coquin-là. Hein. D'accord? Manas, lui, on l'appelle l'amoureux. Je vous conseille de... Oh, c'est pas assez gros, hein. L'amoureux. Et ici, c'est le jardin. Nous avons beaucoup de petites graines ici, donc hein, nous formons des formations mentales. Et suivant comment nous les utilisons, comment nous les cultivons, elles vont donner dans le mental des graines et des fleurs très différentes. Donc, le jardinier, c'est nous, c'est nous. C'est notre capacité à reconnaître, à voir apparaître en nous les différents états mentaux qui nous traversent. Les sensations, les perceptions, les formations mentales. Et elle fait partie de... C'est la sixième conscience. Et c'est elle qui est capable, qui a été capable, c'est le jardinier ce matin, qui a été capable de dire, maintenant ça suffit, arrête, laisse partir le doute, occupe-toi d'apporter dans le mental de belles choses, vraiment belles, bien saines, bien nourrissantes, pour qu'elles descendent, comme elle, c'est impermanent, elles vont redescendre et elles vont nourrir les bonnes graines. D'accord. Et mon jardin, ce matin, il est devenu très joli, très beau, très paisible. Si j'avais laissé le doute dans mon mental et que je l'ai cultivé en disant « ben oui, de toute façon, il n'y a pas d'espoir, ça a toujours été comme ça, ça ne va pas s'arranger », eh bien, ici, il y aurait beaucoup de désespoir, de peur, d'anxiété, de stress. Ici, la graine de doute, de désespoir, de stress serait devenue plus conséquente, hein, et davantage prête à faire à nouveau de belles graines tout autour d'elle. Vous comprenez comment ça fonctionne? C'est clair? Ça va? Bon, je vais me retirer. Il y aurait beaucoup à dire, mais n'oubliez pas qu'on a un très bon jardinier, on a un très bon jardin, et on a un amoureux qui... Il faut faire attention avec lui, il est très attaché. Donc, j'attendais les deux autres coups, chères sœurs, parce que c'est l'heure et j'ai terminé. Et je vais m'asseoir pour les accueillir. Hein.